Ok, bonjour, on est maintenant avec Donat Ebli qui est le responsable de la communication pour Skoda en Suisse. Bonjour Donat. Alors quels sont un peu les points forts de Skoda cette année? Il y a un point fort qu'on voit ici, c'est la CityGo, la nouvelle citadine de Skoda. Alors, cette nouvelle citadine de Skoda, bon, c'est une cousine germaine de la maison Volkswagen, puisqu'on la trouve aussi chez Seat et chez VW, avec une petite particularité, parce que chez Skoda, il n'y a que la version 4 portes. Il n'y a pas que, il y a la version 5 portes, naturellement, en expectant environ 85% 5 portes. Il y a aussi la version à 3 portes. Mais ce n'est pas l'accent principal de la maison Skoda. L'accent principal est vraiment 5 portes, oui. On est toujours dans la philosophie, on va dire, famille. La famille, naturellement, mais aussi les jeunes. Ok. Bon, maintenant, dans le reste de la gamme Skoda, est-ce qu'il y a des nouveautés qui sont prévues cette année? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va arriver? Qu'est-ce qu'il y a dans l'air? Il y a différents modèles spéciaux pour les familles, partout la gamme. Il y a les modèles all-drive de Skoda qui sont très, très intéressants, et aussi Fabia Monte Carlo, par exemple. Ok. Maintenant, on a quand même oublié un petit peu, on parle de la CityGo, c'est oui. Très bien, mais on a presque oublié le principal. Quels seront les modèles à disposition? Quelles seront les motorisations à disposition? Quels seront les prix à disposition? Et quand est-ce qu'elle va arriver? La CityGo va arriver vers fin juin de cette année chez le concessionnaire Skoda. Le prix commence environ à 12 000 francs suisses. Et il y a différentes motorisations de moteurs à essence avec 60 et 75 chevaux. Il y a les versions 3 portes et 5 portes. Il y a la version avec boîte manuelle ou boîte automatique. Oui, ça y est, pour le commencement, et vers fin de l'année, il y a aussi une motorisation au gaz naturel. D'accord, il n'y a pas de motorisation diesel qui est prévue? Non, diesel n'existera pas, ça coûterait trop cher pour une voiture qui est vraiment destinée pour City. Ok, bah, je crois qu'on a un peu fait le tour, Donat. Merci beaucoup pour ces informations, et puis on souhaite la bienvenue à cette petite compacte citadine de Skoda. Merci beaucoup et venez chez le concessionnaire Skoda fin juin. Merci beaucoup. Ok, au revoir, merci.